Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau message de ce mercredi 4 octobre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant toute chose, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux, amour, santé, finances et juridique, dans un délai le plus bref, ici-bas et maintenant. Que cela soit ainsi. Aujourd'hui, j'ai pigé le regard des autres et c'est dans le troisième chakra. C'est le plexus solaire, le troisième chakra. Il est associé évidemment à la couleur jaune. Il est situé au creux de l'estomac, c'est-à-dire au niveau du plexus solaire. Il est relié à la facilité ou à la difficulté à être soi-même et à révéler ou pas ses talents. En tous les cas, c'est le siège de la personnalité, du pouvoir et du contrôle. Son rôle principal consiste à décrypter, digérer et purifier les désirs et émotions personnelles des deux premiers chakras pour les incarner dans la réalisation consciente de votre vie. Si ce travail s'effectue par le mental, cela provoque des blocages. S'il se fait en conscience, l'énergie circule librement. Si maintenant ce chakra naît du troisième chakra, le plexus solaire n'est pas équilibré, n'est pas dans l'alignement, qui est en disharmonie, il générera un manque de calme intérieur, une difficulté à lâcher prise, un refoulement des émotions et une incapacité à affirmer vos talents. En d'autres mots, des émotions bloquées, génératrices de stress, de mal-être, de ressentiment et une incapacité à être dans l'action pour prendre votre vie en main et sortir de votre zone de confort. Ce qui provoque un besoin de compenser en contrôlant ou en exerçant une forme de pouvoir sur vous ou sur les autres, et ou un souci excessif de reconnaissance extérieure. Alors, quel est le remède? Quelle est la solution? Se mettre à l'écoute de ses passions ou de ses élans de cœur pour que la créativité se mette en branle et que sa voix personnelle se dessine, n'est-ce pas? Le regard des autres, pour certains d'entre vous, souvent, pour être à la hauteur, tu te réfères aux attentes des autres, te servant ainsi de leur approbation ou de leur mécontentement, comme d'un baromètre pour te guider dans ta vie. En fait, tu redoutes tellement le jugement et les critiques assassine qu'une seule d'entre elles peut te déstabiliser, voire même t'anéantir. Alors, en ce sens, tout ce que tu dis et fais, est souvent en rapport avec les attentes de l'autre. Mais toi dans tout ça, où se situent tes attentes? Tes attentes à toi. Tout ce que tu es doit en priorité te correspondre à toi. S'il t'arrive d'être victime du jugement des autres, c'est pour tester ta capacité à affirmer qui tu es,
Alors, ben sois donc toi-même en toutes circonstances. Même si ça ne plaît pas toujours, tant que ton cœur pétille de bonheur, c'est le principal. Car c'est lui, l'unique GPS de ta vie. Waouh! Très beau message encore une fois hein, pour s'autoriser à être soi. Je termine avec la petite carte pour ne plus avoir peur. Je n'oublie jamais de câliner et de consoler l'enfant qui est en moi. Il a dû subir dans son innocence et sa vulnérabilité toutes les peurs dont je souffre aujourd'hui. Même si l'on n'a pas conscience de nos peurs enfantines et de leur origine, on peut toujours penser avec compassion à l'enfant que nous étions alors. Cette consolation nous consolide intérieurement et nous renforce. Voilà ce message, s'autoriser à être soi. Vous savez sur quoi vous devez travailler pour remettre dans l'alignement, n'est-ce pas, ce chakra qui est sur le côté. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.